Je suis venu chercher ta face. Réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Je suis venu chercher ta face. Réponds-moi, réponds-moi. Oh, moi je suis venu Que Dieu soit béni. Nous allons nous lever, nous allons lire un psaume et écouter la parole du Seigneur. Amen, amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 62. Psaume chapitre 62, nous lisons la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Psaume chapitre 62, nous lisons la parole de Dieu. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent de leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur.
jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul, mon roi, oh oui, à jamais tu seras. Sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul, mon roi. Nous fléchissons nos genoux devant toi. Nous reconnaissons ta Seigneurie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, ta royauté aussi, mon Sauveur. Nous reconnaissons et nous sommes bénéficiaires de cela. Tu es réellement notre roi. C'est pourquoi nous te demandons grâce, mon bien-aimé Père Saint, de dominer sur chacun de nos pères, de prendre ton autorité, Seigneur, d'agir comme tu le veux, comme tu le sens. Oh, que tu fasses ce qui te plaît avec ceux qui sont à toi, mon bien-aimé Père Saint. Merci vraiment pour ce moment béni que nous passons encore dans ta présence, mon roi. Oh Dieu, avec des chants, des témoignages que nous pouvons avoir. Louange et honneur à toi, toi qui as toujours éclairé notre vie, Seigneur. Toi qui nous réjouis encore nos âmes, encore bénis, mais pas de puissant Dieu. Nous te sommes reconnaissants, toi, consolateur des affligés, Seigneur. Donateur de tout don, excellent, mon béni, mais pas de puissant. Toi qui éclaires et qui conduis encore en ce jour, mon sauveur. Merci réellement pour ce temps et le moment. Merci encore pour chaque frère et chaque sœur. Merci pour le soutien et les secours que tu ne cesses jamais de pouvoir nous apporter, mon béni, mais perdu. Quand nous sommes faibles, toi, tu nous relèves, mon bénémoine Père Dieu. Tu es vraiment un appui certain, ferme, mon bénémoine Père Dieu. Mais quelle confiance en toi, mon bénémoine Père Dieu. Nous l'avons entendu encore ce soir, mon bénémoine Père Dieu. Nous ne devons pas nous confier en homme, mais en toi, Seigneur. Nous confions en toi, mon bénémoine Père Saint. Nous appuyons certainement et sûrement sur toi. Oh, combien ceux qui se sont appuyés sur toi, mon bénémoine Père Dieu, ont été réellement des bienheureux, mon bénémoine Père Dieu. Ils ont eu la victoire, mon bénémoine Père Dieu. Ils ont conquis le royaume, mon bénémoine Père Dieu. Louange et honneur à toi. Instruis-nous, serons instruits, mon bénémoine Père Dieu. Enseigne-nous. Nous serons enseignés, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Éclaire-nous, nous serons éclairés, mon roi. Oh, soutiens-nous, nous marcherons, mon bien-aimé Père. Tu es réellement notre appui certain. Ah, oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous encore davantage, mon roi, c'est que nos cœurs soient vraiment fermés aussi en toi, mon bien-aimé Père du Puissant. Et crois réellement en toi, mon bien-aimé Père du Puissant. Ce que nous attendons de toi, c'est que tu es encore puissant, mon Père. Tu es venu pour libérer les captifs, mon sauveur. Nous te disons merci pour tout, Père. Merci pour les cantiques. Merci aussi pour les psaumes. Merci encore pour l'adoration. Merci encore pour l'amour que tu déverses encore dans nos cœurs, mon bien-aimé Père du Puissant, oh Dieu du ciel. Sois glorifié et béni encore ce soir. Souviens-toi de nos frères et sœurs en connexion à différents endroits où ils sont, comme nous avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quel bonheur de marcher avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce que nous désirons, c'est que le Seigneur ait la prééminence sur chacun de nous. C'est-à-dire que Dieu te bénisse, qu'il domine effectivement et qu'il prenne le contrôle et qu'il agissent effectivement, et c'est vrai, comme l'Écriture le dit effectivement, nous lui demandons la grâce de nous aider à revenir à lui de tout notre cœur, et c'est cela ce que nous attendons de sa part, et nous lui demandons de pouvoir nettoyer, récurer aussi, et sanctifier davantage pour que nous puissions être aussi des vases dans lesquels lui, il peut aussi s'émouvoir et agir comme il le veut aussi. Nous prions pour que le Seigneur nous aide à pouvoir réellement prendre vraiment part à ce qu'il est en train de pouvoir faire dans un âge comme celui-ci dans lequel nous nous trouvons, et aussi quelle reconnaissance à l'endroit de ce Dieu que nous devons vraiment avoir très sincèrement dans notre cœur, dans notre âme, parce que il nous a accordé ce privilège d'avoir les yeux qui soient donc ouverts, afin que nous puissions vraiment voir clairement aussi, et surtout avoir un cœur dans lequel il a eu à pouvoir changer, donner un cœur nouveau, et aussi il nous a accordé la grâce d'avoir la foi pour pouvoir croire à la parole que lui nous donne, et nous sommes heureux aussi. C'est merveilleux de voir comment le Seigneur exprime les choses qui sont tellement aussi profondes et importantes pour nous quand nous pouvons prêter attention à cela. Je pense dans les livres de Jean chapitre 6, quelque part, je pense que ça doit être là, et à partir du verset 45, il dit, ils seront tous,
Et ça, c'est extraordinairement merveilleux. Nous voulons peut-être vérifier pour cela, peut-être que je peux citer, mais dans Jean au chapitre 6, je pense que c'est cela, je crois que Dieu m'a dit, Jean chapitre 6, oh, merci beaucoup Seigneur, que Dieu soit béni. Il dit, Jean chapitre 6, le verset 44, nous commençons par cela, il dit, « Nul donc ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai donc au dernier jour. » Verset 45, il dit, il est donc écrit, dans le Jean chapitre 6, hein, verset 45, il est donc écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ah, que c'est merveilleux cela. C'est quand même merveilleux de pouvoir entendre cela. Gloire à Dieu. Ah, il est le seul docteur, en fait. Le véritable enseignant. Voici donc l'enseignant que vous et moi, que nous voulons avoir. C'est merveilleux, frère. Quelle grâce et quelle joie. Je remercie Dieu parce qu'il est... Non. Il a une façon de pouvoir faire les choses qui nous... D'abord, pour nous rassurer, nous. Que tout ce qu'il a eu à pouvoir déclarer en ce qui concerne ce qu'il doit faire. Et pour nous, effectivement, en rapport avec son projet, c'est sûr et certain, sans l'ombre d'un doute. Cela s'accomplira. Mais s'accomplira exactement et dans le moindre détail, comme il a dit, à pouvoir le faire. Et il dit donc, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est qu'il a veillé, frère Sartre. Et voilà comment aussi le Seigneur, notre Sauveur, ici, exprime ces choses pour quand même hein, nous faire savoir qu'effectivement, que comme dans Jean chapitre 10, il dit, ils sont tous gravés dans ma main et nul ne les ravira de ma main. Il a bien dit aussi que mes brebis entendront ma voix et ne suivront pas la voix d'un étranger. Quelle assurance il pouvait réellement aussi avoir. Et nous nous souvenons aussi. Il a dit aussi que je suis venu chercher les brebis perdues. Souvent, on le dit, hein, vous souvenez. Et puis, nous disons, et comme l'exemple qu'on donne, je ne peux pas venir chercher 10 000 euros ou quelque chose comme ça ici si je ne l'avais pas d'abord avec moi. C'est-à-dire que si je viens pour les chercher, c'est que d'abord je l'avais. Et après, à un certain moment, je les ai perdus. Donc, ce sont donc des sommes qui m'ont toujours appartenu. Et c'est un moment, ben, ils ont été dispersés. Maintenant, je commence à les chercher. Voilà pourquoi il dit qu'il nous appelle par nos noms, en fait. Pour que nous puissions être sûrs et certains que réellement, que, en fait, nous sommes la propriété de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui, mais ça a toujours été. Alors, le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment certain de ce qu'il fait. Et pourquoi toi, tu ne serais pas certain de ce que Dieu fait avec toi? Si lui, il est certain de soi, qu'il a fait sur toi, c'est qu'il est certain, effectivement, que tu vas atteindre le but. Alors, regardez, s'il vous plaît. Regardez comme il est dit aussi. Ils seront tous enseignés de Dieu. J'aime Dieu. Et c'est là ma consolation et je le remercie vraiment parce que il a dit, plus loin, je pense un peu dans le prophète, il a dit, je suis l'Éternel, il dit, mais je veille sur ma parole. Si lui, il veille sur sa parole, qui peut changer, mon frère et ma soeur, et faire en sorte que la chose ne puisse pas arriver, effectivement, aussi à son accomplissement comme Dieu le veut. C'est pour ça, celui qui doute, c'est un malheureux. Le Seigneur nous parle, effectivement, pour que nous puissions sortir, en fait, même de nos petits doutes en question, que nous avons une hésitation. C'est ce qui fait qu'en fait, nous nous sentons freinés. Parce que nous avons dit, Seigneur, aide-nous pendant cette période que tu fasses des grandes choses dans notre vie. Parce que il y a des choses, on ne se rend pas compte, frère, nous avons la puissance, nous avons l'autorité, mais des choses nous freinent, effectivement, en nous-mêmes, parce qu'en fait, c'est quelque part la foi qui doit se mettre en action. Et la Bible nous dit effectivement que cette foi est un don de Dieu, mais elle vient aussi de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui est donc la parole de Dieu. Alors quand Dieu te parle, mon frère, parce que c'est vrai que quand il s'agit de l'homme, c'est pour ça qu'il a même veillé à ce que nous entendons. Nous revenons dans Jean 6, 55, nous allons continuer. Alors l'apôtre Pierre nous dit plus loin dans 2 Pierre au chapitre 1, je pense que c'est cela aussi, je suppose que ça doit être là. Il dit, ce n'est pas en suivant les fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître l'avènement. Je crois que c'est cela donc dans 2 Pierre, je pense. Nous pouvons lire peut-être d'abord. Puis nous revenons dans Jean 6, 2 Pierre au chapitre 1, je pense que c'est cela. 2 Pierre au chapitre 1, nous allons le dire que Dieu nous aide. 2 Pierre au chapitre 1.
Je pense que c'est cela. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, 2 Pierre au chapitre 1. Voilà, et puis nous tournons. Et c'est cela, oui, c'est cela, oui, c'est cela. Oui, oui c'est ça. Mm-hmm. Ah, oui, c'est cela, oui. Mm-hmm. Merci. Mais verset 16, il dit ceci. Ce n'est pas en effet, d'abord il nous a parlé ici, hein, dès le départ, effectivement, nous montrant, vous vous souvenez de cela, non? Comme sa divine puissance nous a donné. Vous connaissez, non? Le verset 3 et tout cela aussi. Verset 16, il dit, non. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos yeux. Nous l'avons pu à pouvoir nous référer peut-être hier, frère Sandy, mais comment un homme peut venir en fait parler de Jésus qu'il n'a même pas rencontré? Alors vers quel Jésus il va vous amener parce qu'il ne le connaît même pas? C'est ainsi qu'on est instable, effectivement, parce que on sait pas de quel Jésus on va prier, parce que lui qui nous parle de Jésus, il ne le connaît même pas bien. Alors comment moi je vais le connaître? C'est pour ça qu'on dit, mais comment on croit? C'est dans Romain nous dit effectivement cela. Romain au chapitre 10, nous revenons dans Jean chapitre 6. Romain au chapitre 10, il nous dit une chose. Il dit, ah, je pense que c'est cela, dire. Verset 10, il dit, Romain 10, verset 10, il dit, mais car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient donc au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, effectivement, quand tu crois en lui, tu ne seras jamais confus, mon frère et ma soeur, ni dans ce temps de l'éternité. C'est écrit ainsi dans l'Ancien Testament aussi. Il dit, mais il n'y a aucune différence à des faits entre les juifs et les grecs. Auparavant, il y en avait. Parce que les grecs étaient des idolâtres, effectivement. Les juifs étaient un peuple de Dieu parce qu'ils n'avaient qu'un seul Dieu. Mais maintenant, on me dit qu'il n'y a maintenant aucune différence. Et d'où vient qu'il n'y ait pas de différence maintenant? Parce qu'avant, il y en avait. Il dit, puisque ils ont tous un même Seigneur. Nous avons entendu un seul Seigneur, une seule foi, un seul esprit, un seul baptême, un seul Dieu. C'est écrit comme cela. Et puisqu'ils ont tous un même Seigneur, n'est-ce pas, non? Tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Gloire à Dieu. Et puis il dit, effectivement, un fils de Mikar, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. J'aime Dieu, frère. Et puis il nous dit, mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Gloire à Dieu. Il veille sur toutes choses, mon frère. Ah bon, il continue, il dit, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Alors, levons-nous et allons parler de ce Jésus, effectivement. Attendez d'abord. Ah, oui, parce que oui, mais vous voulez parler de Jésus, effectivement, mais d'abord, est-ce que vous le connaissez? Je ne peux pas aller parler des chrétiens que je ne connais pas. Pour que je rende témoignage, le Christian dit, mais Dieu soit béni pour le don qu'il nous a donné, il faut que j'aie goûté. Est-ce que vous me comprenez? Alors, parce que quand je veux parler des Christians, quelqu'un, je dis, il va sentir, dit, mais c'est Christian, mais c'est, comme il en parle, il dit, mais parce que je le connais. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que je parle de quelqu'un que je connais. Et je vais le faire connaître à quelqu'un. Comment voulez-vous que je fasse connaître quelqu'un que moi je ne connais pas? Alors ici, nous continuons, il dit ceci. Il dit, mais et comment, donc, c'est quand on dit, comment donc vous croyez celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui? Voilà! Parce que vous vous souvenez quand l'apôtre Pierre a été chez Corneille. Ah oui, cet homme avait l'assurance aussi quand il était chez Corneille. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il dit, mais Corneille le voit, il tombe à genoux, il veut s'incliner. L'homme lui dit, non, lève-toi. Parce que d'abord, l'ange du Seigneur a rendu témoignage de cet homme-là. Vous vous souvenez, non? Il dit, envoie ce Jopé, tu te verras Simon, on appelle quoi? C'est vrai, hein? Et bien là, fais-le venir et il te dira les paroles par lesquelles toi, tu seras sauvé. Vous vous souvenez, non? Acte 10, n'est-ce pas?
Donc, Corneille attendait un homme tout à fait particulier parce que le Dieu du ciel lui a parlé de cet homme-là. Alors, si Dieu lui a parlé de lui, c'est que Dieu le connaît et que Dieu lui a donné quelque chose pour lui. Aussi. C'est pour ça que quand Corneille lui a parlé de cela, il était tellement exalté. Pierre lui dit, lève-toi, je suis un homme comme toi. Mais je reconnais une chose. Quand toute nation, Dieu ne fait pas ça, mais c'est lui qui laisse, qui l'honore, qui le respecte, effectivement. Mais Dieu agit aussi. Et puis il dit, vous connaissez ce qu'il a dit, nous sommes témoins de ce qu'il a. Il parlait maintenant du Seigneur Jésus. Et puis il dit, Jésus nous a ordonné. Vous savez dire lui ça? Vous me regardez, on lit vite. Et dans Actes chapitre 10, il dit une chose ici. Il dit, il nous a donc ordonné. Hein, ça, c'est, voilà, Actes 10. Voilà, nous pouvons nous retrouver. Acte 10, verset 28. Alors, il dit... d'abord, verset 25, pour que les gens qui nous suivent aussi comprennent aussi ce qu'il a. Lorsque Pierre entra chez Corneille, effectivement, Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba donc à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Parce que l'ange lui avait déjà parlé, vous souvenez, non? Vous souvenez? En conversant avec donc, puis, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Vous vous souvenez maintenant? Quand la nappe est tombée, il dit, mange, il dit, Seigneur, jamais dans ma vie, j'ai jamais mangé une chose pareille. Et puis, sa mort, il dit, mais ce que Dieu a déclaré comme pur, il n'égale pas comme impur. Gloire à Dieu. Il dit, maintenant, vous savez, leur dit-il, qu'un juif, qu'il est défendu à un juif, donc, de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que nous puissions aussi avoir le même regard. Quand je regarde mon frère, il est pur. Je regarde ma sœur, il est pur. C'est vrai. Parce que, et cela dit, mais il m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous continuons. Alors, il dit ceci. Nous étions... Et voilà, c'est cela, oui. Nous étions. Et bien voilà, c'est verset 30. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez donc envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison. Et à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu se souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir donc Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, croyeur près de la mer. Et aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de pouvoir venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Ah, c'est merveilleux, c'est créatif. Tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Voilà comment l'homme réagit. Alors Pierre, ouvrant donc la bouche, et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, favorise, n'est-ce pas? Mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé donc la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus, qui est le Seigneur de tous. Vous voyez, partout où il passait. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, effectivement, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple, mais aux témoins qui d'avance par Dieu et à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité de mort. Et verset 42, et Jésus, pas quelqu'un d'autre, hein, pas l'université, hein, non, pas des gens, hein, et Jésus nous a ordonné de quoi? De prêcher au peuple. Il a bien dit que nous sommes témoins.
Que Dieu te bénisse. Nous sommes témoins de ces choses-là. Donc voici un témoin. Voici un homme auquel on a envoyé pour prêcher cela. Que l'ange dit à Cornelius, dit, mais envoie! Il y avait beaucoup de pharisiens et de sadducéens, effectivement, autour aussi. Même Caïphe, effectivement, qui était le souverain sacrificateur. Mais l'ange me dit, mais fais venir le souverain sacrificateur. Ah, effectivement. Non, il n'était pas dans la liste. Amen. Non, 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 Caïphe n'était pas dans la liste. Il faisait son travail, mais il n'était pas dans la liste. Amen. Oui, c'était bien. Un homme inconsidéré. Et voilà que Caïphe, qui cherchait toujours des premières places, effectivement, les endroits, quand il vient, il faut s'incliner, effectivement. Un homme inconsidéré, quand il vient dans la maison de Corneille, un homme, un chef militaire, qui s'incline devant cet homme et tombe par terre. Il reconnaît que ici, c'est vraiment Dieu dans la personne. Oui, monsieur. Et voilà qu'il dit, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui a été établi par Dieu, juste de vivant et de mort. Frère, comment tu peux attester une chose dont tu ne connais même pas l'assurance? Mais là, lui, il est sûr et c'est pour ça qu'il dit, mais ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues. Nous avons vu sa majesté, nos yeux. Ah oui. Ah oui. C'est pourquoi, dans Romains au chapitre 10, il nous dit, et comment donc invoquons-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en ce qu'ils n'ont pas entendu donc parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Oui, frère, c'est vraiment toute une pile. Vous pouvez en trouver sur le marché autant que vous voulez. Au goût de chacun, effectivement, vous en trouverez. Hein, vous le mettrez même à votre taille, à votre niveau. Vous le serrez comme, oui, comme un vêtement qu'on fait sur mesure. Vous les aurez. Ils ne demandent pas mieux. Hein? Ah non, ils sont là, c'est sûr et certain. Eh bien, nous sommes dans le temps, ce que la Bible dit. Eh oui, mais ils auront une foule de docteurs. Et puis, ils disent, ils se tourneront vers les fables. Donc, ce qui veut dire que ces gens-là, ils sont tellement des artistes pour, hein, vous savez, agencer des fabulations dans les choses, effectivement, et on pense, effectivement, que nous, ils connaissent parce qu'ils vont vous faire sortir des étymologies grecques mélangées avec hébreu pour vous faire vous épater. Mais tu me le dis en français, c'est suffisant. J'ai pas besoin de pouvoir dire qu'en hébreu, ça veut dire, j'ai pas besoin. J'ai besoin simplement des mots simples. Notre Seigneur était un homme simple, avec un langage simple. Alors, je voudrais simplement ces choses. Alors, à ce moment-là, évidemment, vous savez, j'aime notre Dieu. Il a toujours prévenu son petit, mais que personne ne vous séduise, parce qu'il sait que Dieu te bénisse. La séduction va venir et qu'elle frappera une fois aussi à ta porte. Et j'aime cela. C'est pour ça que nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. Médite ma parole. Et puis il nous dit, il est écrit dans le prophète qu'ils seront tous enseignés de Dieu. D'abord nous terminons et si nous retournons dans Jean 6. Il dit, mais comment auront-ils enseigné de nous? Tu n'as pas entendu parler. Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment-ils? Maintenant écoutez bien ici. Ah, verset 15, il dit, et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas. Ah, vous souvenez dans Jérémie chapitre 23, Dieu te bénisse, il dit, mais ces gens-là, ces prédicateurs-là, ils sont inutiles. Je ne les ai pas envoyés. Ils se sont précipités, il dit, mais s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient entendu ma parole. Vous souvenez? C'est écrit Jérémie 23. Et on a une foule comme ça sur le marché. Et ils émissionnent un peu la chair des hommes, effectivement. Parce que notre Seigneur a dit à Timothée, mon enfant, c'est Paul qui écrivait. Timothée dit, je t'en conjure devant Dieu. J'insiste parce que je sais ce qui va se passer. Parce qu'il viendra un temps. Et ce temps, nous le sommes. Où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Frères et sœurs, il n'y a pas de gens vraiment qui peuvent accepter de pouvoir se conformer, même d'entendre l'évangile. Toujours on discute. Vous savez, le mensonge passe plus facilement. Oui, les catholiques ont bombardé un grand mensonge qui est devenu aujourd'hui comme une vérité.
Mais c'est le vrai, parce que vous le savez quand même vous-même. Il n'est pas rentré dedans, mais la femme qui chevauche la bête. Je pense qu'il y a même quelqu'un qui... Ah oui, je crois que... Ah, il y a longtemps, mon... Ah, je pense à mon frère... je pense que c'était mon frère ici, Samuel, je suppose, parce que la question était en anglais comme il est anglophone. Je pense qu'il posait la question en rapport avec la puissance mondiale et comment pour la marque de la bête. Et puis mon frère dit, mais comment ces gens, ils sont ici, comment ils peuvent arriver à pouvoir se retrouver dans ce que... Et maintenant, en rapport avec ces six-là, sa question était, bon, je crois que j'ai eu à pouvoir trouver sa question, mais j'aurai l'occasion, Dieu voulant, pour répondre. En fait, c'est qu'on se pose la question, dit, mais... Une grande puissance comme les États-Unis, une grande puissance comme ceci. Mais comment ils peuvent arriver à pouvoir être aussi ramenés dans ce que ce soit la femme qui chevauche? Mais en fait, c'est vrai, la question, je ne l'ai pas dite, je ne l'ai pas lu pour vous poser la question, mais je vais un peu vous éclairer un tout petit peu. Je veux que vous compreniez une chose. Je reviens dans Jean 6, Jean 6, hein? Terminé par là, je surveille aussi les temps pour vous. Je veux que vous compreniez une chose. Les saintes Écritures, on sont tellement merveilleuses que Dieu est tellement bon qu'il nous a parlé de 70 semaines de Daniel. Vous comprenez? Ah, il est Dieu, il est bon. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour son amour et sa bonté, sa grâce et sa miséricorde. Alors, il nous ramène effectivement pour pouvoir nous montrer une chose. Quand Daniel, c'est cela qui passait aussi dans notre aujourd'hui, Daniel a vu ces quatre bêtes. Hein? Daniel 7, vous souvenez? Là, qui ressemblait à ceci et cela fait. Mais puis il dit, le quatrième était terrible, nous l'avons lu ici. Ah, il dit, j'ai désiré connaître, effectivement. On dit, mais le quatrième animal là, terrible, le foyable qui avait des dents. Mais... Il dit, mais c'est un royaume qui existera sur la terre. Donc empire. C'était un mot empire, non? Eh bien, nous y sommes. Ça, vous le savez déjà. Donc c'est bien cet empire qui existera, c'est bien l'empire dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. L'empire romain, n'est-ce pas vrai? Mais vous avez remarqué une chose, effectivement, que, alors qu'on nous parlait dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, que pour ce dernier, donc cette dernière bête, effectivement, en la décrivant. Vous voyez? Donc la bête, c'est la puissance, non? Et c'est cet empire qui va exister, comme vous le savez. Nous y sommes déjà, de toute façon, aujourd'hui, Corona, ça se passe ici, en Afrique, on a les masques. Alors vous comprenez ça? Même dans la forêt. Mais je vous ai pas rendu tout le monde. Mais vous savez que, comme les Africains veulent vraiment faire à l'excès, il y a une maman qui avait sa fille, et cette fille, effectivement, était asthmatique. En Afrique. Alors, comme les policiers africains, hein, congolais, hein, ils veulent mieux faire quand on dit, parce que ça vient de l'Occident, ils veulent la piquante. Ils sont toujours faits, toujours tout à l'extrême. La pauvre petite, elle marchait dans la forêt, il y a quand même du vent. On n'a pas besoin, comme nous, de building pour dire que bon, les virus vont passer là-bas. La forêt, elle avale même les virus. Oui, on vous dit que quand là où il fait chaud, les virus ne résistent pas. C'est pour ça que quand on dit que je sens le couvert, j'ai dit, mais prenez, on nous dit, hein, inhalez la vapeur. Avec le feuille, on m'a dit, il y en a un qui m'a dit, monsieur, quand ça va dire, mais, prenez le feuille. Moi, je dis, monsieur, je n'ai pas d'eucalyptus ici en Europe. Il dit, hey, non, pas de problème. Prenez même le feuille. Qu'est-ce que l'arbre vous avez chez vous? J'ai dit, moi, j'ai un pommier. Prenez le pommier. J'ai dit, mais les pommiers chez nous n'inhalent pas. Il dit, c'est pas un problème. Est-ce que les pommes sont comestibles? Il dit, oui, tout ce qui est comestible, on peut inhaler. J'ai dit, pas de problème. Apportez-moi le feuille pour inhaler. Enfin bon. Parce que pourquoi? Ça fait la vapeur. C'est simple, mais ça guérit. On n'a pas besoin de tchoum tchoum tchoum. Non. C'est naturel dans la nature. Les choses que Dieu a données tout dans la nature, eh ben, profitons. Et pompons, pas de problème. Et là, c'est sans problème. Ce n'est pas qu'il y a des effets secondaires. Hein. Non, naturel. Les poumons se purifient tout seuls avec la vapeur. J'ai eu notre soeur Christine là, l'indonésienne. Elle est toujours attachée à nous ici. Alors elle m'envoie un message, j'ai dit, prie pour ma fille. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, elle dit qu'elle a des courbatures. J'ai dit, quoi encore? Elle perd l'ego. J'ai dit, ouf, attends. J'ai dit, j'ai pris, elle m'a dit, tu as des feuilles? J'ai dit, cherche les feuilles. Tu as une couverture? J'ai dit, ouh. Eh bien, mets-la sous la couverture, mets les feuilles, fais bouillir à 100 degrés, mais fais attention.
Et oui, frère. Dieu, notre Seigneur, nous aide et nous montre. Et c'est vrai, frère et soeur, on ne s'en rend pas compte, mais le Seigneur nous donne des choses qui sont tellement. Parce que dans la nature, Dieu a donné tout, en fait. Mais c'est nous qui, d'une manière ou d'une autre, on méprise, effectivement, on dit, ah, ça vient. Non, 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 non. C'est quand on prend des choses tout à fait naturelles, on n'a pas de problème, en fait. Parce que, en réalité, frères et sœurs, pensez-vous que Dieu n'a pas été sage? Je ne suis pas docteur, moi, en médecine. Vous avez des infirmières, comme notre sœur, effectivement, Rebecca d'abord dans le fond, et puis, et d'autres qui sont ici, vous avez fait tout ça. Nous avons même des docteurs en médecine ici. Bon, même en informatique, vous savez ça. Oui. Dieu, et c'est important, vous comprenez, c'est sérieux. Dieu qui nous a créés, pensez-vous qu'il n'avait pas pensé? Bon, l'humanité ne se trouve pas dans le corps de quelqu'un? Mais c'est lui, bien sûr, mais oui, Dieu, l'humanité, en fait, votre corps a des, quand même ce qu'on appelle des défenses à l'intérieur. C'est votre corps à vous ici, s'il vous plaît, qui combat lui-même les virus. Mais les médicaments est dedans. Ça veut dire que votre corps, les anticorps qui créent, effectivement, parce que quand un virus vient vous attaquer, effectivement, il vient vous attaquer dans ce corps ici, non? Donc Dieu a quand même prévu quand même des unités à l'intérieur. Chaque virus, vous savez combien de virus nous on ramasse ici, parce que je vois, oh, et on va être contaminé. Frère, tout le temps vous êtes contaminé. Oh, je me mets dans ce chemin. Mais si, tu sais que quand c'est... Enfin, je vais parler assez longtemps. Vous savez que... Parce que les gens doivent vous dire aussi, hein, avant que vous sachiez qu'effectivement que le corona était ici, vous étiez couronné déjà. Si... Non, c'est sérieux, frère. Si on testait tout le monde est positif. Je ne m'approche pas de lui parce qu'il est positif. Tu as été déjà positif sans te rendre compte. Mais oui. Tout le monde est passé par la positivité de corona. Et puis on passe, Dieu nous immunise. Amen. Oui. Amen. Mais ils vous disent pas vraiment, mais oui, bien sûr que oui. Hein? Quand plus que, bon, vous dire, monsieur, moi je suis pas petit, je donne sympa, hein, petite connaissance, comme ça dit, mais plus vous vous enfermez et vous vous cabanotez, vous êtes en train d'affaiblir vos ici. Les infirmières sont là, quand les infirmières lisent et nous autres, vous connaissez bien, je suis pas infirmier, mais quand même. Ouf, vous connaissez. Tu expires. Pendant toute une journée, demandez à votre soeur qui est professeur avec des élèves. Et puis là, comment ça va aller? Qu'est-ce qu'il y a, sœur Marie? Je ne sais plus très bien. Mais c'est normal. Tu as trop parlé, mon oxyde est rentré. Et puis tu dis, ouh, j'ai la tête comme ça, prie pour moi. Je dis, pourquoi encore dans ma tête? Mais la tête fait mal. Je dis, c'est normal. Tu te tues toi-même. Il faut te désintoxiquer. Que Dieu, notre Dieu, nous soutienne. Et c'est nécessaire, frères et sœurs. C'est pour ça, vous ne devez pas avoir peur. Non, non, je ne dis pas, vous comprenez. J'ai toujours dit distanciation. Non, non, moi, je suis maman. Bref. Que Dieu nous aide et travaille. Enfin, bon, bref. Nous connaissons ce que nous remercions. Nous avons toujours dit, effectivement, rendons à César ce qui est à. César. Et à Dieu ce qui est à. Nous remercions le Seigneur pour cela. Donc, nous réalisons qu'effectivement, que c'est quand même quelque chose de tellement si important pour nous, comme l'Écriture le fait savoir, puis nous allons terminer, prier par cela aussi, disons. Voilà que, il est absolument nécessaire que nous recevions les choses qui nous sont donc nécessaires. C'est-à-dire que nous puissions entendre effectivement aussi ce qui vient du Seigneur, notre Dieu. Parce que, si nous n'avons pas cette expérience avec le Seigneur, comment pouvons-nous aider ceux qui ont vraiment soif et besoin de Dieu pour arriver à pouvoir atteindre effectivement à l'endroit qu'il faut? Frères et sœurs, ce n'est pas possible. Non. Si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux vont tomber dans un trou. Ça, c'est la vérité 100%. Mais quand même, tu dois confier quand même ton âme, ta destination. Il faut quand même poser la question. Et Dieu te bénisse. Bon, moi, je vais aller au ciel. Pourtant, tu dis, moi, je connais les chemins. Dis-moi, tu l'as déjà, comment tu connais? L'as-tu déjà emprunté? Ah non, parce que je cherche le chemin. Alors, tu dis que tu connais le chemin, montre-moi le chemin. C'est ça le problème. C'est ça le grand problème. Parce que moi, je vais me confier à toi, ma destinée.
tu dois avoir la certitude que vraiment, avec toi, tu vas m'amener au bon port. Vous avez remarqué que l'ange a bien cité les noms de Pierre. Il n'a pas parlé de Caïphe. Hein? Non, parce que Pierre connaissait le chemin. Alléluia. Il connaissait le chemin. Et puis c'est cet homme-là. Nous allons nous arrêter ici parce que le temps vite. Cet homme-là, c'est à lui. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur a dit, je te donnerai. Les clés de quoi? Mais du royaume. Donc il connaissait le chemin. Gloire à Dieu. Parce qu'il pourra dire, j'étais avec lui. Il a dit, je suis le chemin. Moi, je ne suis pas le chemin, mais lui, il est le chemin. Et je suis le chemin. Lève-nous, frère. Je regardais au loin, au-delà du... Viens, mon grand. Venant m'emmener à maison. Une côte d'argent vient après moi, venant m'emmener à la vie, descend, descend, descend.